Et bonjour. Aujourd'hui, on va parler encore du Forza et des dernières petites modifications qui ont été faites. Donc, en l'occurrence, la décoration à base de stickers, en fait, hein, c'est vendu ainsi, c'est des kits. Donc, non, c'est pas trop chiant à installer. Voilà. La deuxième chose que j'ai placée, c'est un garde-boue à l'arrière parce qu'on va arriver à la saison des pluies et de fait, le retour de roue à l'intérieur, à chaque fois, ça dégueulasse tout. C'est une horreur pour nettoyer. Donc ça c'est une pièce qui vaut 25 euros quoi, hein. Le garde-boue arrière ça coûte 25 euros. Le kit sticker il y en a pour 60 euros. Voilà. Ici j'ai installé un filtre à air d'Harley Davidson. Voilà. Pour extraire l'air chaud du variateur plus facilement et plus rapidement. Tant et si bien que quand j'ai changé ma courroie à 18 000 km, eh ben on peut la voir, elle est ici, elle est nickel. Ne bougez pas que je la décroche. Voilà. Pour une courroie qui a 18 000 km, je trouve que elle est même pas craquelée à l'intérieur, rien du tout. Voilà. Donc comme quoi ça sert un peu quand même à bien refroidir la partie variation. Après, bah, je vais vous faire voir d'autres petites pièces que je vais installer sûrement aujourd'hui. Voilà, excusez-moi, je fais un peu ma sauce, c'est le matin, il fait 32 degrés, c'est pas trop la pêche du matin, quoi. Alors aujourd'hui, bah, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu une petite hélice majorée que je vais installer parce que c'est tout con à installer, hein, c'est trois vis à mettre. Voilà. Elle est plus grosse que l'hélice d'origine au niveau du radiateur. Ce qui permet en fait au radiateur de ne pas tourner plus longtemps que de raison. Voilà. Donc ça c'est une chose là que je vais faire de suite. Voilà. Et un autre petit truc qui vaut 30 euros, c'est un gonfleur de pneus. Alors c'est la marque Xiaomi qui fait ça. Et c'est super pas con parce que en fait on a juste à débrancher, à visser l'embout sur sa valve. Alors moi j'ai mis des valves coudées pour pas me faire chier la vie, quoi, en fait. Choisir sa pression et faire partir. Donc là il n'y a rien, donc forcément ça évolue pas. Mais j'ai trouvé le système pas con. C'est fait pour recharger à peu près 8 pneus de voiture à plat. Bon, ça se recharge par le biais d'une USB. Il y a une petite housse. Je me dis, comme j'ai un chargeur voiture, enfin une prise allume-cigare et qui a la place pour charger quand je roule, je trouve pas con d'avoir ça avec soi. Voilà, pour gonfler les pneus de la maison. Voilà, voilou pour les petites évolutions concernant mon petit Forza qui accuse maintenant. Bah quasiment 22 000 km. Voilà, voilou, mais je vous ferai un petit bilan par rapport à ça bientôt. Ciao, ciao, bye.